Aujourd'hui, on se retrouve dans mon salon et en pyjama. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément la ref, mais c'est mon pyjama préféré, donc voilà, vraiment, je partage un moment intime avec vous, là. Donc aujourd'hui, on va jouer à Fall Guys parce que j'ai essayé de me mettre sur Twitch, mais j'ai une connexion de merde. Il y a eu marqué... Je sais pas si... Donc du coup ça a vraiment fail parce que ça laguait tout le temps et tout ça, mais je me suis dit j'ai vraiment envie quand même de vous parler de Fall Guys, même si tout le monde en parle et je pense que vous connaissez déjà, mais je vais quand même vous expliquer. Donc c'est un jeu où il va y avoir surtout des courses ou des jeux par équipe, vu que je n'ai jamais été assez loin dans le jeu, je n'ai jamais pu jouer par équipe encore, mais je sais que ça existe. Le but, c'est de rester le seul survivant des jeux. Un peu comme un Fortnite, mais avec des petits bonhommes très maladroits. Il faut savoir que je suis pas du tout une gameuse. Enfin, j'aime bien jouer à des jeux, mais plutôt Pokémon. Voilà, il n'y a pas à sauter, il n'y a pas à être agile avec ses pouces. J'ai le jeu sur PC et j'ai acheté une manette. Elle est rose, elle est jolie. Regardez comme elle est belle. Je l'ai vraiment acheté parce qu'elle était rose, et parce que je ne maîtrise que ce type de manette pour PlayStation. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Le but ici, c'est que je partage avec vous ce que j'aime bien faire quand je suis hors caméra, et aussi peut-être faire une petite victoire avec vous. Ce serait top, vous allez voir à quel point je suis une rageuse. Ceci est mon personnage, il est trop mignon, je l'aime trop. On tombe un peu comme dans Fortnite en fait, sauf qu'il n'y a pas de map. Et il y a d'autres joueurs qui vont rejoindre la partie, environ 60, mais des fois on n'est que 40 à jouer, ou voilà. J'aime trop le concept, j'aime trop les couleurs. J'ai vraiment besoin d'un univers coloré, ou alors des jeux où il faut faire des choix. J'ai vraiment aimé Detroit Become Humans. Je crois que j'aimerais bien lâcher si jamais je me procurais la PS4 un de ces jours. Ou alors c'est sur PC aussi que c'est possible. Ah, remarque maintenant que j'ai ma manette. Peut-être que ça pourrait le faire. Alors les balançoires, je suis pas trop mauvaise, mais je n'ai aucune stratégie, aucune. Dans toute façon, je n'ai pas de stratégie. Dans la vie, j'ai pas de stratégie. Vous allez voir à quel point je suis naze. C'est parti. J'aime pas quand il y a plein de monde au début, mais en même temps, ça veut dire que non, 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 t'es debout. Désolée. En gros, faut équilibrer pour pas que ça fasse des pentes trop abruptes pour pas tomber. Et s'il vous plaît, équilibrer. En fait, faut compter un peu sur les autres pour pouvoir gagner soi-même. Des fois, tu tombes pas même sur une pente abrupte, mais moi, des fois, même sur un truc plat, je tombe et je tombe dans le vide. Alors bon. Voilà, checkpoint. Merde, j'aurais pas dû passer par là. Je prends toujours à droite, mais je devrais peut-être des fois essayer d'autres chemins. Là, on est bon. Il faut. Hop là, checkpoint. Pour le moment, ça va. De toute façon, faut pas que je dise ça parce que à chaque fois, je me fais avoir. Hop, là c'est bien. Là, c'est pas trop mal. Mais pourquoi j'ai tombé, pourquoi j'ai glissé, on n'en sait rien. Non. Ah, oh, checkpoint. Oh. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Allez, on court, on court, on court, on court, on court. Allez, allez. Oui, le sport, c'est pas ton truc. Regardez, ça, c'est moi quand je cours. Pour de vrai. Oh, je vous jure. Et je meurs en séance. Là, il faut équilibrer. Et... non, ça va pas le faire. Il faut vraiment qu'on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Il faut que ce soit haut. Pour remonter, 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 remonter. Et sauter. Et... essayez d'arriver au bout. Oui, 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 vas-y, 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 tu peux y arriver. Oui. Bah, bien sûr, tourne en rond, tourne en rond. Je suis naze, les gars. C'est là à quoi je suis en train de penser. Au montage de cette vidéo qui va être un carnage. Oh, je déteste. Oh, je déteste. À chaque fois, il faut s'agripper et ça prend un temps fou et je suis nulle. Allez, on y croit. Non. Oh non, j'étais passée pour une fois. Oh non, 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 j'ai réussi là. Allez, 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 oui! Oh, je suis trop contente! Mais quoi, je suis arrivée 15e! Oh, c'est le truc où j'ai... vraiment, à chaque fois, j'arrive pas. En fait, faut que je joue en parlant, en faisant semblant de parler à quelqu'un. Je suis trop, trop contente! Oh, vraiment, parce que...
Non, vraiment, je fail tout le temps. Oh, je suis tellement contente. Comme quoi, le travail paye. Attrape queue. Oh, ça a l'air trop bien. Ça, il faut attraper la queue de ceux qui ont des queues. Oh, je suis trop contente. Oh putain, j'ai une queue. Les gens vont me courir après. Bon, moi, je garde ma queue, moi, les gars. Oh non, 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 non. Oh non, oh non. Hop là. Non, 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 non. Il y en a un, il bouge pas. Pourquoi tu bouges pas? Est-ce que je peux attraper la queue des autres? En vrai, je ne sais même pas. Comment on attrape la queue des gens? Non, non. Je n'attrape pas ma queue. Oh, il a attrapé ma queue. Viens là. Viens là, le pigeon. Non, mais on est où, là? On est où, là? Rends la queue. Rends la queue. Je sais même pas comment on attrape la queue. Je sais même pas avec quoi. Merde, merde, merde. Ils sont où? Ils sont où, ceux qui ont des queues? Pourquoi lui, il a pas bougé depuis tout à l'heure? T'as pas compris le concept? Oh, merde, je sais même pas avec quel... Mais... Ah, peut-être juste rentrer dans la personne. Ok, ok, ok. Mais là, je l'ai touché, le monsieur. Mais, bah, en fait, je sais pas. Je sais pas comment mettre. Oh, c'est R2. Merde. Je suis trop nulle. Depuis tout à l'heure. Oh non, oh non, il reste 20 secondes. Oh non, oh non. Oh, je suis nulle. Oh non, oh non, j'ai perdu. Oh, j'ai perdu. Oh, mais l'idiote du village, pardon. Vous comprenez pourquoi? Je vous dis que je suis nulle et les jeux vidéo, vraiment, chaque fois, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Et je lis pas. Et c'est comme ça dans toute ma vie. Oh, mais punaise, vraiment, le jeu qui te fait réfléchir sur toi-même. Genre, tu ne sais pas faire en équipe, tu ne réfléchis pas, tu ne regardes pas autour de toi. Tu as besoin, tu demandes aux autres pour savoir ce que tu dois faire. Bon, normalement, là, je devrais avoir pas mal de points. Et arriver... Oui, c'est pas mal. Ah, j'ai débloqué une couronne. Qu'est-ce qu'il faut? Ça fait quoi? On sait pas? Oh, c'est quoi le prochain? Oh, le prochain... C'est un prochain skin, ça? Oh, ça a l'air mignon. Ah, c'est le truc de pigeon, je crois. Oh, ça serait trop bien. Je sais pas à quoi correspond la couronne. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Me laissez pas en galère. Dites-moi c'est quoi la couronne, là. Alors, ruer vers les portes. Ça, c'est un que j'arrive plutôt bien parce que je laisse les autres défoncer les portes. Oh, c'est bon. Allez, 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 allez. Parce qu'après, il y a les bouts de portes qui restent et... Ah, oh, bien sûr, c'était une porte fermée. Hein. Allez. Oh là là, comment je me fais martyriser. Oh, oui, des fois, des yeux, je ne suis pas mon propre perso. Du coup, je me dis, bah, pourquoi je vais pas dans le bon sens? Oh non, je suis en retard de ouf. C'est foutu pour moi, c'est foutu. Regardez, regardez. Vous allez voir comment je vais... Je vais... Je sais pas comment ils font pour aller plus vite. Pourquoi moi je vais pas vite? Oh, le degré de seum est immense. Vous vouliez voir une vidéo sympa, fun, divertissante? Non! Le seum. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis nulle et en plus, je suis une rageuse. Mais... À force de jouer, j'ai l'impression de faire des progrès et je pense que c'est normal en fait. J'aime beaucoup ce jeu, même si oui, ça me fait sortir de mes gonds et tout ça, mais je trouve que l'esthétique est simple, mais en même temps hyper travaillée. Je sais pas comment dire, ils ont eu plein d'idées et vraiment ça me fait du bien de jouer à ce type de jeu parce que c'est un peu moins lazy que Pokémon où t'avances et j'ai pas vraiment de stratégie dans Pokémon. Je sais mes attaques les plus fortes, mes Pokémon les plus forts, j'avance. Et voilà, c'est tout. Là, il n'y a même pas un truc de chauffe, si vous voulez, quoi. Un truc d'échauffement, comme à l'époque dans Tomb Raider, ou des choses comme ça. Moi, j'en aurais eu besoin. C'est t'y vas et tu fails, mais t'as quand même des points. Ça veut dire que j'ai avancé et j'avance quand même plutôt que les jeux où, bah, t'as pas de points, tu fails, t'as pas de points et c'est tout. Et c'est extrêmement rageant et t'avances pas. Alors que là, bon, avec un peu de chance, tu tombes sur des courses que t'as déjà faites et... T'y arrives et petit à petit tu vois quand même d'autres choses et ça te motive à vraiment te dépasser sur les autres et tout. Enfin franchement, moi j'aime trop. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un j'aime, vous abonner, activer la cloche. Bien sûr, activer la cloche. Dites-moi si vous jouez à Fall Guys. Dites-moi s'il y a d'autres jeux que vous trouvez sympas et que vous voulez me faire découvrir. Et sur ce, à la prochaine.